Salut tout le monde, c'est Geto. Donc on se retrouve pour Spider-Shock, non? Spider-Man? Il y a une nouvelle tenue à ce qui paraît. Qu'est-ce que c'est que ça? Costume de frais. Ah, ça c'est pendant l'événement qu'il y a eu. Ouais, je vois, je vois de quel comic c'est tiré. Je sais plus le nom, mais. Ok, donc on peut se déguiser, on peut prendre celui-là, ouais. Ça c'est quoi? Ça c'est le costume de base. Ah, ça serait trop bien qu'il y ait le costume de Venom. Ça c'est le costume de Stark. On peut refaire lui. Quoi? Oh, ça c'est utile, on va prendre. Ça c'est quoi que j'ai là? C'est parti! Parce qu'on n'est pas là pour. Ah, il y a un crime juste derrière. Et moi j'aime bien le costume de base. Appel à toutes les unités, des civils sont piégés à la suite d'un accident. Agent disponible, rendez-vous dans le Theater District. Trop tard. Retard, madame, j'ai lancé la mission. Ok, par là, je pourrais accéder au bureau de Norman. Je peux pas entrer sans avoir désactivé quelques systèmes de sécurité. Mais s'ils me voient, ils vont tout boucler en moins de 2. Donc, faut se la jouer discret, c'est ça? Je peux pirater les modules de sécurité depuis l'extérieur en me connectant au réseau. Cap du réseau. Il me suffit de les suivre jusqu'au module de sécurité. Ok. Donc il est là le machin. Ah, bien sûr. Il a fallu que je fasse de la merde. Et voilà, un module de sécurité. Apparemment, il y en a 4 comme ça autour du bâtiment. Bien sûr, il y en a 4, il y en a un. Faire chier le ça monde. Pourrait faciliter les choses. Qu'est-ce qui se passe? Équipe de sécurité, répondez. Équipe Sable Alpha en attente. Il y a un problème électrique, on dirait. Bien sûr. Gardez un œil sur l'extérieur pendant qu'on tente de localiser le problème. Quand je me disais que ça allait être pépère. Les équipes de Sable, on a une espèce de problème logiciel. On appelle un spécialiste. Bien reçu, on poursuit l'inspection à l'extérieur. Voilà le deuxième module. Quoi? À tous les agents, quelqu'un est en train de pirater l'un de nos sous-systèmes. Je suis un hacker araignée. Déclenchement du protocole Delta. Oh merde! Sérieux, tout le monde a des drones aujourd'hui. Équipe Sable, j'ai besoin d'un rapport de situation. Inspection extérieure négative. Tout est dégagé. Ça ressemble toujours à une erreur logicielle? On sait pas. Évaluation en cours. Maintenez le niveau d'alerte actuel. Ok, plus que 2 modules. À toutes les équipes de Sable, attention. Présence potentielle d'un intrus sur le site. On est en train d'analyser les données. Restez vigilants. Bien reçu, Centrale. Te voilà. Allez. Il y a encore un sous-système qui nous a lâché. Pirate. Il faut une équipe pour balayer le 85e étage extérieur. Bien reçu, Centrale. L'oiseau arrive. Putain, un hélicoptère, sérieux? Je dois y aller.
Salut MJ, je suis au milieu d'un truc là. Je vais vite, j'ai une piste sur l'emplacement de Charles Sandwich. Non ! Si j'arrive à le rejoindre, je peux le faire parler. Il savait pour le docteur Delany, alors il doit être au courant pour Morgan Michaels. Ok, mais je t'en prie, ne fais pas de folie. En parlant de folie, je dois trouver le dernier module. L'araignée, elle peut monter au plafond. Voilà le dernier. Oh, ce passage en mode bourrin. Super. Maintenant, je peux accéder au bureau de Norman. Pourvu que je trouve des trucs sur Morgan Michaels et le souffle du diable. Inspection extérieure négative. On enclenche le verrouillage? Pas encore. Monsieur Osborne est en train de passer un appel important. Mais continuez de fouiller. Il doit y avoir quelqu'un par ici. Non, il n'y a que des araignées comme moi. Hop. Spider-Man. Nanana, Spider-Man. Je passe sur une ligne sécurisée. Épargnez-moi vos menaces, Wilson. Mon personnel a déjà épluché tous vos dossiers. Si vous dévoilez notre accord, ce sera votre parole contre la mienne. Et ce n'est pas moi qui suis actuellement derrière les barreaux. Minute. Norman est en train de parler à Wilson Fisk? Quelle statue de Neo? De quoi est-ce que vous parlez? La statue Neo de la salle d'enchères. Ils doivent être en train de parler du fichier qu'MJ a trouvé. Pourvu que votre ordinateur nous en apprenne plus. Bingo. Spider-Man. GR-27. Spider-Man. Le directeur des recherches est le docteur Morgan Michaels, mais l'emplacement du labo est censuré. Un CRISPR contrôlé par une IA? Et ça pourrait guérir toutes les maladies génétiques. Mais covicidose? Huntington? C'est pas croyable. C'est flippant. Waouh! Le GR-27, c'est le souffle du diable. Ils l'ont conçu pour soigner les maladies, mais sous sa forme actuelle, c'est une arme biologique. Docteur Michaels garde l'unique échantillon avec lui. C'est pour ça qu'il est pourchassé par Lee. Si on trouve Michaels, on trouve le souffle du diable. Appuyez pour sortir. Pas, 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 pas. Pion, 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 pion. Ouais, comme il a la classe Spider-Man. MJ, écoute ça. À la base, le souffle du diable n'est pas une arme. C'est un traitement pour les maladies génétiques, mais sa forme actuelle n'est pas au point. Au lieu de guérir le corps, elle le détruit. Il faut qu'on retrouve le docteur Michaels. Sam n'est pas capable de contenir quelque chose d'aussi dangereux. J'ai peut-être une piste là-dessus. Charles Standish est retenu au site de Central Park. Si quelqu'un sait où se trouve Michaels, c'est bien le directeur financier d'Oscorp. Je vais essayer de le joindre là. C'est pas l'arme fatale, ça? Ça grouille de garde là-bas! Comment tu comptes t'y prendre? Très très discrètement. Faut que j'y aille, partenaire. S'introduire dans les locaux de sable? Ça peut vite mal tourner. Je devrais aller à Central Park. Allons à Central Park! Y'a un truc de chaud là.
Il y a des trucs sur les... T'es où les machins chats? Il dit qu'il est dans le coin. Ah, on dirait que Doc a appelé. Peter, j'ai eu une révélation. Tout repose sur l'esprit. Moi, par exemple, un esprit au potentiel illimité, enchaîné à un corps vieux et fatigué. Qu'est-ce qu'il raconte? Pense à ce que cet esprit pourrait faire s'il était libéré. En développant notre interface neuronale, il pourrait penser plus loin que les limitations de notre forme physique. On doit utiliser notre imagination pour envisager toutes les possibilités. Spider-Man. Tirer parti de notre esprit. Quoi? J'avais jamais entendu le Doc aussi excité par un projet. J'espère qu'il est pas trop excité. Tu veux que je regarde? Ah non, ça marche pas. Il y a tout un tas de photos. Te voilà à toi. Je dirais qu'ils vendent des vins d'exception ici. Elles se diversifient. Il faut que j'essaie de prendre une longueur d'avance. Il y a un truc à bombe là. Oh putain, c'est le roi. Vas-y, trop. C'est bon. Wouh. Équipe sur place, dites-nous où ça en est à Lenox Hill. Centrale, poste de contrôle pris pour cible. C'est les démons. Oh, Spider-Man, il est là-bas, mon gars. J'ai aucun réseau. Je dois trouver d'autres tours à activer. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? On est où là? Depuis quand il y a un machin comme ça dans Central Park? Où est-ce que tu te caches, MJ? C'est nouveau ça. Oh non. 15 minutes plus tôt. Ah! Cette fameuse phase d'infiltration donc, qu'on aime tous. Sa grouille de garde là-bas. Comment tu comptes le contacter? Très très discrètement. Faut que j'y aille, partenaire. Standish est quelque part par là. Il faut que je passe ce garde. On va voir si les leurres que m'a donné Peter fonctionnent. Ce trou dans la barrière est tentant, mais il faut d'abord que j'éloigne le garde. Va voir ailleurs, Coco. C'était quoi ça? Je dois filer. Maintenant. Bon, c'est pas compliqué, ça. Je vais voir comment va notre invité. Bouge pas. Ok. Notre invité. Ça doit être Standish. Il est là, quelque part. J'imagine des choses. Je dois l'éloigner des escaliers. Ouais, j'espère que j'en ai illimité de cette merde. Eh, t'entends pas, connard, qu'il y a un truc là-bas Qu'est-ce que... Putain, heureusement que j'en ai une sacoche. C'est quoi? Les démons suppriment tous ceux qui ont un lien avec le souffle du diable. Standish court un grave danger. C'est bon, on se dépêche. Ah ouais, non mais... C'est qui lui? Standish, j'en étais sûr. Il faut que j'accède à cette tente.
aussi les communications. Je ne veux pas que la presse apprenne pour Michaels ou le souffle du diable. À vos ordres. Elle est tendue. Stendhal, je dois savoir quelque chose sur le docteur Michaels. On va le laisser partir, lui. Le générateur a grillé. Ça va pas l'occuper longtemps. Avant qu'il nous échappe. Attends, on va déjà laisser partir Bébert là. Il va aller faire sa vie, non? Bien reçu, Central. 5 sur 5. J'ai du mouvement, quittez pas. Hop. Ce camion n'a rien à faire là. Il devrait être parti depuis une demi-heure. Reçu, on y va. Le camion va se déplacer. Je devrais me cacher derrière. Hop, hop, hop. Bien reçu, Central. 5 sur 5. C'est bon. Allez-vous en haut? On y va, on y va, on y va. Bravo et Charlie sont en place pour le transfert du Dr. Michaels, madame. Ajoutez 2 unités. Il porte le seul échantillon du souffle du diable. Je ne veux pas risquer une pandémie. Très bien, madame. Peu importe les effectifs de sable. Elle ne pourra jamais arrêter Martin Lee. Hein ? Qui est là ? Mon cul. Qui est là ? J'ai un vis... Non ! Ah, oh, mais c'est casse-couille comme mission, hein, honnêtement, putain. Moi, je joue à Spider-Man, c'est pour être Spider-Man, c'est pas pour être Mary Jane Watson, quoi, putain. Ta vie, elle a l'air passionnante, en plus, hein. Tout le temps chercher la mort. Bravo et Charlie sont en place pour le transfert du Dr. Michaels, madame. Mais non, cette blague. Hein ? Qui est là ? Ah, les mecs sont vraiment pas... C'est pas des doués. Ça a l'air important. Des planques. Si le docteur Michael se trouve dans l'une d'elles, Stendhal sait peut-être laquelle. Je fais une ronde. Je vous tiens. C'est la tente de Stendhal. C'est dingue que Michael se trimballe avec le souffle du diable. Osborne refuse de le confier à quelqu'un d'autre. J'espère que son ego lui pètera pas à la tronche. Ou à la nôtre. Encore ? C'est quoi cet éclairage ? Bouge-toi. Hop là, ni vu ni connu, je t'embrouille. Petit oiseau, petit oiseau. Charles Stendhal. Oh non. Oh mon dieu, oh mon Charles, dieu. Oh mon dieu. Où est le docteur Morgan Michaels? Dans ton cul, dans ton cul. C'est lui qui vous envoie. C'est ça. Non. S'il veut me tuer, dites-lui de le faire lui-même. Je ne suis ni avec les démons, ni avec Sable. Je suis journaliste.
Et je veux qu'on arrête Lee. Tout comme vous. Watson. J'ai entendu votre nom aux infos. Watson. Sable ne veut rien savoir. Elle garde Michaels dans le Bowery. Il l'emmène ailleurs demain en milieu de journée. Mais elle se fiche de Grand Central. Grand Central ? Les démons en ont parlé pendant qu'ils me tenaient. Ils vont là-bas pour... Pourquoi, Charles ? Qu'est-ce qui intéresse les démons à Grand Central ? C'était... Qu'est-ce que... Charles ! Oh ! C'était pas quelqu'un de chez Sable. Clairement pas quelqu'un de chez Sable. Désolé, Charlie. Désolé, Charlie. Ok, faut non, y aller. Attends, il a une info. Tout ça pour ça? Putain, il fait capoter l'opération. Putain de Spider-Man. Non, mais tout ça pour ça, sérieusement. Sérieusement, tout ça pour ça. La boulette. Ouais, c'était peut-être le voyage le plus gênant de ma vie. MJ est pas contente. Et au fait, une dernière chose. Désolé, Charlie. T'assommes un mec, tu piétines mon travail d'approche, et tout ce que tu trouves à dire, c'est désolé, Charlie. Tu transformes tout en blague, c'est ça? Quoi? MJ, non mais j'ai foiré. C'était pour détendre l'atmosphère. Détendre l'atmosphère? Ok, tu le sais que c'est précisément pour ça qu'on a rompu? Je croyais qu'on avait rompu pour ta carrière. On a rompu parce que t'arrêtais pas de me traiter comme une gamine. Fais pas ci, MJ. Oh, fais pas ça, MJ. C'est trop dangereux, MJ. J'ai peut-être pas des super pouvoirs d'araignée, mais je suis pas faite en sucre. Tu t'es introduite dans un camp de militaires armés. Tu sais quoi? On peut changer de sujet là maintenant, s'il te plaît? Est-ce que t'as trouvé quelque chose sur le docteur Michaels? Bien. Michaels se trouve quelque part dans le Bowery. Sable le transfère ailleurs demain midi. Excellent. Rien d'autre? Il a pas dit un truc sur Grand Central avant que je déboule? Il a... Non, rien de spécial. Écoute, Parker, faut que je te laisse. J'ai un bouclage. Parker. Ça veut dire qu'elle m'en veut. Parker. Bien joué, monsieur le super-héros. La vache, je suis sur les nerfs. Je vais patrouiller un peu, ça va me détendre. Oh! C'est quoi ça? Oh, c'est pour prendre le métro! C'est ça, non? Ah, c'est pour prendre le métro! Oh, je viens de découvrir un truc, Spider-Man peut prendre le métro! Tu crois, toi, celle-là? Bon bah écoutez mesdames et messieurs, je propose qu'on se quitte là-dessus, puis je vous dis eh bien à plus pour la suite.